Et maintenant, si vous le voulez bien, on aimerait rendre hommage à un vieux monsieur dont on a eu la chance de croiser la route il y a de ça quelques années. Lui qui avait inondé la France, l'Europe avec ses deux mots. Deux mots qui n'étaient qu'un point de départ, mais qu'un beau point de départ. Indignez-vous, monsieur Stéphane Hessel. Ça correspond au truc. Sombre jour de l'existence, je levais la voix et le poing quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entrepotant ses cordes au cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Burenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent. Mes amis, indignez-vous. De soulèvement de manque, quand nos propres vies sont à crédit sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents qui ordonnent aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi des litres d'eau jamais. Voilà la manquée de l'eau, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte. Le maudit seuil de pauvreté, les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Dans la crise alimentaire, s'éternise devant l'éternel. Les miracles, quand des milliards sont prouvés dans la seconde. Pour sauver le roi de l'art. Moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont plus possibles quand il fait de notre héritage. Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour le chenel salé spéciaux. Il est grand temps de l'amour, de rallumer la qui ont guidé toute sa vie, ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple. Palestiniens, la justice est en son cœur, sont des citoyens sans frontières, tous ces peuples.